Salut à toi Tokiwanchiya et salut à toi nouveau venu. Moi c'est Fred et je fais des vidéos high-tech sur des tests et sur des tutos et des astuces, tout ce qui est intéressant dans le monde de la tech. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette enceinte Bluetooth de chez Action Portative de ouf que j'ai payé même pas 4€. Alors je te mettrai la photo pour te montrer le prix, mais c'est un truc de dingue. Mais si tu découvres cette chaîne juste maintenant, et ben tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification juste à côté qui te permettra d'être notifié de mes prochaines vidéos. Je préfère le dire. Des fois, ça peut paraître logique, mais des fois, non. Donc, cette fameuse enceinte de chez Action, la Pulsar, et que je sais pas d'autre nom, je sais même pas le nom de référence. Je l'ai en promotion à la semaine Action. Pour ceux qui ne connaissent pas, Action fait la semaine Action tout du mercredi au mercredi où ils mettent des produits en promotion qu'ils ont déjà en rayon. Il faut savoir qu'elle coûte 7,90€ à peu près. Donc, ça reste quand même très, très accessible pour tout le monde. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite déballer ce produit. Au moins, on sait ce qui se cache dedans. C'est parti. Alors, à l'intérieur, tu n'as rien de magique. Non, tu as l'enceinte, un mini mousqueton et la notice si tu ne sais pas utiliser l'enceinte, à savoir qu'elle peut aussi quitter les bras. Et bien sûr, on a aussi le câble d'alimentation que je les ai fait te dire, qui est en mini USB et que tu sers à recharger ton enceinte Bluetooth. Que j'ai là d'ailleurs. Oui, je l'ai monté entre temps. D'ailleurs, ça va faire un boucan du diable ce truc, ton micro. Alors, déjà, on va faire le tour du design. Bon, elle est discrète, elle est sympa et jolie, elle fait pas forcément qualitative, mais elle fait pas bas de gamme à 3 balles ou à 7 balles. On a quand même un revêtement un peu lisse, doux. En dessous, on a le bouton power USB, et ouais, parce que quand tu tires, t'as tout dedans, t'as le bouton et donc l'USB. Ne pas se fier à l'emballage qui nous dit splash-proof design avec la goutte d'eau. J'irai pas prendre le risque de la mettre dans l'eau. Hein. Quand tu vois rien que le petit caoutchouc pour enlever le bouton avec le trou dedans où on voit la lumière, tu sais que l'eau, elle va passer, quoi. On a une enceinte qui fait 10 cm de diamètre, donc ça reste raisonnable, et donc une épaisseur de 3 cm. Je vais retirer ce mousqueton parce que je pense qu'il va nous faire chier tout le long avec ce boucan. Je ne l'ai pas pesé, mais je vais le faire. Je te mets le poids directement. Tu sais quoi, tu vas voir la vidéo direct avec la balance au moins. C'est... Alors au niveau des fonctionnalités, oui, je disais qu'elle faisait kit malib. Ouais, pour ce prix, c'est bizarre, mais c'est bien. Et c'est tout. Bah, c'est tout, tu me diras, ça suffit pour la musique, mais tu n'as pas la possibilité de zapper de musique. Tu peux mettre pause, même pas, je crois. Déjà, on va voir pour la connecter, c'est vraiment tout simple. Tu allumes en restant appuyé 3 secondes, ça va faire un boucan du diable quand elle s'allume, parce que oui, le son, quand tu l'allumes et quand tu le connectes et quand tu l'éteins, c'est un son de malade. Ouais, t'as entendu ça. C'est... L'enceinte est à fond tout le temps, mais vu qu'il n'y a pas de son dessus, tu régleras avec ton smartphone le volume. Et ben ouais, c'est quand même super gênant, t'es pas discret quand t'allumes ton enceinte, tout le monde le sait. Et donc, une fois que tu l'as allumée, elle est très facile à reconnaître. Tu vas sur Bluetooth de ton téléphone, tu l'actives et tu cherches, donc ça va apparaître un nom qui n'a rien à voir avec l'enceinte, c'est la EE4907, je crois. Ouais, bon, tu m'as compris, t'as vu sur l'écran, c'est... Voilà. L'appairage est simple, quoi. Donc, je disais au niveau des fonctionnalités, bah tu restes quand même au basique. On a la chance d'avoir le kit Malib pour ce tarif là, c'est quand même pas mal. Tu as la possibilité d'appeler directement avec l'enceinte, tu double-cliques sur le bouton power et ça va lancer le dernier appel que tu as fait à la dernière personne que tu as fait. C'est pas mal, donc ça te permet aussi de décrocher en cliquant deux fois. Voilà, sinon tout le reste devrait être contrôlé sur le smartphone, que ce soit le volume, que ce soit pour zapper la musique, que ce soit même pour mettre pause. Voilà, tu n'as absolument aucun contrôle sur cette enceinte. Elle est aussi très pratique pour le transport, bah oui, parce qu'avec ce petit là. Ce petit mousqueton que j'ai là, tu peux l'accrocher de partout et c'est peut-être son point fort, son plus gros point fort. Parce que oui, tu peux l'accrocher sur un vélo, tu peux l'accrocher sur ta poche et tu peux la mettre aussi sur ton petit sac à main. Ouais. C'était pour la démo. C'était... Au final, elle reste très pratique et très utile à utiliser. Tu peux la foutre vraiment de partout, t'accrocher une branche d'un arbre, sur un grillage, sur ce que tu veux. C'est vrai que le mousqueton, c'est bien, ou une ficelle. Voilà, elle est quand même fonctionnelle. Ensuite, je l'ai utilisée, je vais pas te mentir, 3 jours. J'ai pas été plus loin parce qu'au bout d'un moment ça me saoule et ça reste une enceinte vraiment pas chère. Alors, il faut savoir qu'on est sur du Bluetooth 4.1. Je sais pas si je l'ai dit, donc c'est pas les dernières normes au niveau du Bluetooth, loin de là, mais bon, ça ira très bien, ça fonctionnera très bien. Il faut savoir que la distance d'utilisation, j'ai été à peu près à 5-6 mètres dans un appartement avec des gros murs et j'ai pas eu de décrochage au niveau de la musique, donc c'est plutôt agréable. Je m'attendais pas à ça pour ce tarif, je m'attendais à un truc merdique qui va décrocher tout le temps. Et non, et même en écoute d'une heure non-stop, oui, j'ai fait une heure non-stop quand même. J'ai pas eu un seul décrochage et c'était quand même bluffant pour ces tarifs. On n'a pas l'impression d'avoir une enceinte, en tout cas entrée de gamme, dans la fonctionnalité sur le Bluetooth. Oui, je parle pas de son pour l'instant. Quoi qu'il arrive, le constructeur annonce une distance de 10 mètres, ce qui est forcément possible d'après moi. Après, venons-en à l'autonomie ou au son. Alors, on va passer à l'autonomie. Alors, je n'ai pas utilisé la batterie assez longtemps pour te dire qu'elle dure 6-7 heures, etc. Faut savoir que j'ai utilisé plus de 2 heures
avec la batterie déjà chargée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle devait être chargée à 68-70%, comme tous les appareils qu'on reçoit normalement, et je l'ai fait 2 heures. Sans écouter à 100%, je devais être plus à 50, voire max 70%. Donc, je pense que tu tiendras largement 3 heures, même si elle annonçait 6 heures, un peu comme toutes les enceintes. C'est tarif, même un peu plus cher d'ailleurs. Donc, je pense que déjà 2 heures en utilisation, c'est déjà très bien pour ce prix, parce que je l'ai payé 4€, 3,90€. Mais elle a tenu 2 heures et je pense qu'elle tiendra largement 3 heures en la chargeant complètement. Et je me répète, mais pour ce tarif, c'est quand même pas mal. Faut savoir que c'est une enceinte 3 watts à l'intérieur, un extraordinaire. Je vais te faire écouter le son, faut que tu te prépares. Alors oui, je sais, tu te dis, ça va être un son de merde, ça va être chier contre les murs, ça va être horrible. Franchement, pourquoi acheter ça? Autant la laisser au magasin et arrêter de polluer et acheter cette merde. Tu sais quoi, on va écouter maintenant et puis on va débriefer juste après. Tu me diras ton avis aussi dans les commentaires si t'as envie. Alors le son, oui, tu vas me dire par smartphone, c'est difficile à entendre la qualité et je ne vais pas te dire non parce que c'est clair, je te fais écouter parce que si tu as envie de savoir le son. Mais plein de choses peuvent modifier le son dans l'enregistrement, le téléphone qui enregistre. Mais je vais te donner mon avis à moi qui est quand même assez chiant au niveau du son et je peux te dire que je suis difficile. Alors au niveau des basses, c'est niet. Il y a des médiums, on va dire, profonds, des médiums graves, mais tu ne vas pas t'attendre à de la basse, loin de là. Ça ne va pas faire boum quoi. Mais au niveau des aigus et des médiums, le son est plutôt convenable, il n'est pas correct. Franchement, pour le prix, il est même très bien. Mais tu peux te permettre d'écouter de la musique en appréciant écouter de la musique, tout simplement. Ça dépasse largement le son d'un smartphone, donc c'est quand même complètement utile. Ce n'est pas une enceinte Bluetooth qui va faire un son plus pourri qu'un smartphone. Loin de là, le son est correct. Il n'est pas extrêmement ouf au niveau de la qualité. Il faut dire qu'il peut saturer rapidement dès que tu dépasses 80% du volume maximum. Là, ça va être quand même pas agréable à écouter. Ça va saturer. Voilà. Donc, j'écoutais plus à 75%. À part que c'est un peu criard et que les aigus peuvent quand même t'attaquer un peu la tête si t'as l'enceinte trop près, faut pas s'attendre à mieux pour ce tarif, comme je le répète au moins 20 fois. Mais le son était plutôt convenable et au final, je me suis laissé aller à écouter la musique pendant une heure et demie sans me dire je vais le faire pour le test, non, juste pour le plaisir d'écouter. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris par cette enceinte. Alors oui, tu peux acheter cette enceinte et te faire plaisir à la réaction, ce n'est pas de la merde. Loin de là, c'est une enceinte qui conviendra à beaucoup de monde pour dépanner, pour écouter de la musique dans ta cuisine ou dans ton salon ou pour le donner à un ado qui veut l'accrocher à son cartable pour faire boum boum avec ses copains, j'en sais rien. Mais ça dépannera franchement bien et je suis agréablement surpris par ce petit gros truc pas mal. Au niveau du kit Malib, c'est vrai que j'ai pas parlé du test par rapport à ça parce que je l'ai fait mais c'est quand même plutôt médiocre. On t'entend, mais voilà, évite, hein, c'est quand même une résonance de ouf. Toi, tu entends l'interlocuteur avec de la saturation parce que là, ça va être à fond là-dessus, sinon tu n'entends pas trop. Pff, non, le kit Malib, voilà, j'ai pas fait un test dessus, mais il fonctionne. C'est juste pas terrible. Si toi aussi, tu as testé des enceintes chez Action, vraiment pas chères, qui étaient vraiment bien, qui tombent le feu ou sur d'autres sites, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, voire me donner la référence pour que j'aille voir, peut-être l'essayer un jour, ça serait sympa. Moi, je te mets le lien d'une enceinte que j'ai adorée, qui coûte entre 10 et 15€, je crois, sur Amazon. Et pour moi, qui est encore la meilleure en ce moment. Quant à toi, jeune Tukiwantien ou nouveau, ou toi qui n'es pas encore Tukiwantien et qui est encore là, bah vas-y, abonne-toi vite parce que après c'est trop tard, après c'est fini, après tu vas regretter toute ta vie. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test, comme d'habitude, et puis c'est du chaud. Allez, bye! Allez, à vous, t'as aimé la vidéo? Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye!